Eh bien, bonsoir YouTube, c'est Wooly. On se retrouve pour l'épisode 9, il me semble, de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Dans l'épisode précédent, on a défoncé Obito en mode hôte de Jubi avec Sasuke. Combat très stylé, on a fait un 1v1, puis après on a fait un combat avec Kurama et Susanoo, puis Kurama et Susanoo fusionnés, puis après juste Naruto contre Obito dans... Je sais pas, dans leur esprit, dans un endroit très bleu et très beau, un peu en mode discussion philosophique sur la vie. Et maintenant qu'on a fini ça, Obito il a perdu son démon, j'ai l'impression. Il est par terre, à côté de Minato et Kakashi. Tout devrait bien se passer. Mais non! Parce que Madara est encore là, le mal frappe encore. Donc on est parti, et vous allez voir que là ça va encore partir sur de l'action. あとは封印するだけぞ。まさかこの時になって道を変えることになるとはな。だがせっかく道を変えたのだ。今からでもやれることを俺もやろう。オビト、一体何を？かつて俺が利用しようとしていた男 長戸が俺を裏切った手段けど輪廻転生の術だ。その術は代わりにお前が<笑>長戸がかつてなぜ俺を裏切ったのか今ならわかる気がする。術つなぎの重なった人の思いそれも強い力になるんだな。もういいだろ。 雑談は。そろそろ始めさせてもらう。我らが待望のために。交代だ。クロゼツ。けど輪廻転生の術。ハハハハハハハハ。 やっとまともに戦え、やはり、この体でなければ血は血肉躍ってこその戦いだ。マダラ、お前この時を狙って。これが戦術チャクラか。簡単に扱えそうだな。 マダラ、何を狙って。柱も、かつてウチハの石碑の前でお前に語ったのを覚えているか。相反する二つの力が協力することで本当の幸せがあると。だが別の捉え方もできるとも言った。 内波と千住、両方の力を手にした者が本当の幸せを手にする。そういう捉え方もできやしないか。くっ、まずい。奴が次に狙うのは。さあ、 次はお前らだ、畜生ども。やっぱ美獣狙ってきやがったな、あの野郎。ナルト、お前も早く美獣化しろ。今は無理だ。クラマのチャクラが足りてねえ。だからチャクラが溜まるまでこの状態であいつを引きつける。みんなは隙を見て一斉に攻撃してくれ。一匹も逃がしはせん。 すぐに首輪をかけてやる。させねえよ。ああ、 par contre j'avais oublié qu'il perdait ses yeux du coup en se réincarnant. Madara. Mais c'est logique en soi parce que bon, il est quand il est mort,
Non, il avait même plus une pupille, parce que normalement il avait perdu une pupille, et il avait un Rinnegan, je crois. Et peut-être quand il est mort, il l'avait transféré peut-être à Obito. Donc ouais, il les a plus. Mais comment il les récupère déjà dans le manga? Il en Shippuden à Kakashi. Mais je sais plus ce qu'il fait après. Bon, on verra, hein, de toute façon, on a le temps. Détruire Madara. Oh bah là, il va nous souiller le cul pour récupérer tous les démons. Il a pas le Mangekyo Sharingan Tanel? Non, parce qu'en fait, il l'avait. Mais dans son combat contre Hashirama, il avait fait un Izanagi pour passer pour mort. Donc là, il avait perdu un œil. Et puis après, son dernier œil, il s'était devenu un Rinnegan. Et je sais plus ce qu'il en a fait. Donc il a dû le donner à Tobi. Enfin, à Obito. Je me rappelle plus trop. Faudrait que je relise le manga, un de ces quatre. Là, je suis en train d'essayer de les récupérer tous les tomes. Il me manque encore quelques-uns à choper avant de tout avoir. Je regarde un petit peu les occasions. Ah, ce fameux Izanagi. Ah bah oui. D'ailleurs, on n'a pas eu combat Itachi et Sasuke contre Kabuto. En parlant d'Izanagi et d'Izanami. C'est un peu dommage. J'aurais aimé les avoir. Parce qu'il devait avoir sûrement un bon QTE et tout, mais. Non, c'était pas dans le 3, peut-être en DLC ou autre. Aïe aïe aïe. Oh putain, il l'a esquivé. Aïe 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 aïe. Putain, il est balèze, Madara, même aveugle. Hein. Elle a eu peur. Hein. Tiens, prends-toi un Rasengan. Le temps que je recherche mes permutations. Allez, viens. Elle a encore des permutations, c'est chiant. Oh merde, j'ai permuté. Allez, on temporise un petit peu. Parce que Madara, c'est un peu sérieux comme perso. Tiens! Oh, pas mal ça. Ah, raté. Voilà, mange-le ton Rasengan. Allez. Oh, raté. Ok, c'est la petite distance que je peux faire ça. Oh, je peux le faire avec une technique secrète. Allez, prends-le. Ah, merde. Il le voit pas venir, celui-là. Ah, il a tanké. Bon bah y a pas le choix. Il est mort. Je joue la réalité, je trouve que c'est tellement abusé. Ah mais de ouf. Izanagi et Izanami, c'est super fort. Après les deux Tensei, c'est giga fort aussi. Et le cycle éternel des réincarnations. C'est comme ça qu'ils appelaient ça? Le cycle éternel des réincarnations. Je crois que c'est ça hein, qu'il a utilisé Madara pour se réincarner. C'est aussi ce qui a m'en pété. En fait, il y a beaucoup de techniques super puissantes. Mais très dangereuses aussi. Parce qu'en échange, tu perds un œil. Danzo, il a pu le faire à répétition parce qu'il s'était greffé plein de Sharingan dans les bras, mais. En vrai, c'est. Ouais, c'est. Un contre-coup assez vénère. Hein. Moi, je gaspillerais pas un œil pour rien. もちろん。これで少しは楽しくなる。
左目はまだか。あっちはまだ時間がかかるみたいですね。まあこっちももう少し時間が必要そうですけど。ペットを連れ戻すのに何年もかかったガキと一緒にするな。数秒だ。見ておけ。陰謀変獄。何かしてくるかもしれねえ。注意し。 何しやがった。さて、檻に戻れ、畜生ども。すげえ力だ。これ以上は。みんな。 これで全ての美獣が揃ったわけだ。次は、ん？ナルト！シオンが美獣を抜かれてしまったのだ。え？ナルトは今死の淵にいる。だがまだ助かる。 すぐに四代目のもとに向かえ。奴の中にも九尾がいる。でも二代目様は。わしはあいつを引きつけておく。行け。残された時間は少ない。お願いします。ナルトのガキをどうする気だ。 美獣を抜かれた今、何をやっても助からんぞ。それでも助ければならぬのだ。ナルトは忍びたちの希望だ。わしもそう思っている。変わったな。昔はもっと非情だと思っていたが。全ては里のため、里を生かすため非情に徹していたのみ。ん？ Oh, c'est bizarre, je me rappelle pas de cette scène-là. Il me semble dans le manga, il aspire tous les démons. Et puis après, il tue Sasuke et Naruto. Normalement, ça se passe comme ça, il me semble. Genre, il empale Sasuke et il chope le démon de Naruto. Par contre, le combat Tobirama contre Madara, je m'en rappelle plus trop qu'il y avait eu ça. Après, ça remonte à super loin, hein. J'ai pas relu cette scène-là depuis... quelques années, hein. 4-5 ans maintenant, donc je m'en rappelle plus trop. L'Edo Tensei est la technique la plus pétée du manga. Bah en vrai, oui, tu peux incarner qui tu veux. Bah voilà, il a récupéré un œil, mais je ne sais pas d'où. En fait, je pense que c'est son Rinnegan, il a dû se l'enlever. Avant de mourir, il l'a caché quelque part. Quelque part où le Zetsu était au courant, je pense. Et puis là, du coup, le Zetsu est venu le chercher pour lui. Mais sinon, oui, c'est le Tensei qui permet de garder ses pupilles. C'est comme Itachi qui a ses pupilles quand il est en Edo Tensei. C'est parce que l'Edo Tensei ramène les pupilles. C'est pour ça qu'il s'est réincarné. Et il a perdu ses deux Rinnegan. C'est un peu technique, hein, mais c'est logique en vrai. Mais bon, dans le manga, ça se passe pas exactement comme ça, je crois. Donc c'est pour ça aussi que j'ai un peu de doute. Bon, détruire Madara, gagner 70% de vos PV. Une contre-attaque, ça je n'arrive pas à le faire. Faire un combo de 25 coups, ça je ne sais pas trop le faire non plus. Et achever avec une technique secrète, on va essayer. Je contrôle Tobirama ou je contrôle Sasuke? Je pense que c'est Sasuke. Oui. On va peut-être jouer un petit peu Tobirama au début. Parce que j'aime bien Tobirama, ça fait longtemps que j'y ai pas joué, donc on va s'amuser un petit peu. Voilà.
un des initiateurs de Suiton les plus puissants du manga. Par contre, voilà. Allez, mange! Putain, il est trop chiant! Voilà. Oh, elle est moins impressionnante son attaque. Moi, je me comptais un truc dans l'envergure du Kuno Kage, tu vois. Peut-être un peu moins puissant, mais dans le même style. Du coup, je suis un peu déçu. Et bon, on va jouer un petit peu Octogarman, hein. C'est kiffant de jouer, je trouve. Aïe aïe aïe. Il s'est un peu pété le cul. Aïe 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 aïe. Tiens, mange pas ça. Allez, on switch et on l'achève. Ça, c'était plus impressionnant. Ah, Tobirama, faut respecter un peu, faut faire un truc un peu plus stylé. En plus, moi, je l'aimais bien Tobirama à l'époque. Je trouvais qu'il avait du flow niveau apparence. Mais bon, dans Naruto Storm, il est pas trop respecté, je trouve. Il est pas. Autant Hashirama, il est très classe quand tu le joues, t'es en mode waouh, putain, c'est un monstre. Autant Tobirama, on dirait juste un utilisateur de Suiton classique, on dirait pas un Hokage bien balèze. Pourtant, c'est quand même un Senju, hein. C'est un Senju, le frère du premier, donc c'est quand même un monstre. Hein. Mais bon. Voilà pourquoi je peux faire Naruto de base, il y a moins de trucs à prendre en compte. Ouais, mais c'était le début, c'était normal. Aïe 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 aïe. Ah oui, j'ai tendance à dire aïe 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 souvent quand je me fais tabasser comme ça. Ou quand je prends un gros coup dans un jeu. Et depuis toujours.今のは。この世界は岩は柱間の矛盾した世界だ。何かを守るためには何かを犠牲にしてしまう。くそ、これは。たとえそれが友であろうと兄弟であろうと我が子であろうと時間は十分にやっただろう。残念だ。 どうしたの？サスケのチャクラが。あんたは強い。あんたは負けない。あんたは。 行くって言ってんだろ！ちょっと待ってよ。行くってどこにさ？サスケんとこだよ。早く死ねと間に合わねえだろうが。死なせない。絶対に死なせるもんか。
Classe, très très classe. J'espère que le prochain chapitre il est court aussi, comme ça on pourra continuer un petit peu. Mais il est lourd ce chapitre, je l'aime beaucoup. Et du coup, ouais, ça se rejoint un peu dans le manga quand même, hein. C'est plutôt fidèle. Peut-être que même c'est fidèle au manga et c'est moi qui ai un peu oublié cette scène-là et du coup je sais pas comment ça se passe. Mais un jour, faudrait que je relise Naruto. Là, je m'achète un petit peu les tomes en occasion pour essayer de tout compléter. Et puis, le jour où j'aurai les 72 tomes, je pense que je vais tout me refaire d'un coup. Comme pour One Piece. Tobirama, il maîtrise la téléportation et les deux TMC quand même. Oui, mais regarde, tu vois, on le voit pas trop là dans le Naruto Storm. Tu vois, on voit pas l'utiliser la téléportation. Le Hiraishin. Du coup, bah, il passe pas si. Il fait pas si stylé que ça. Genre, il fait un peu juste. Ninja Lambda, quoi. C'est totalement la même chose que le manga. Ok. Bah je me rappelais pas de cette scène de Tobirama qui se fight contre Madara. Ok, on a juste un aperçu du prochain chapitre. Bah écoutez, on peut le mettre et comme ça après on se laisse là pour cet épisode. Allez. Naruto to Sasuke. うつつと黄泉の合間、そこで二人が見たものは、そして時は急転する。自称決戦の章。違うな。俺の意志はお前ではない。俺の意志は。Nouveau chapitre déverrouillé, vous pouvez maintenant jouer à l'ultime bataille. Ok. Et on est à 62% du jeu. Bon. Eh bien, on va se laisser là pour cet épisode, les gens. Ça fait des épisodes courts, mais bon, on n'a pas trop le choix, hein, parce que sinon, ça fait trop long. Et là, je me vois pas lancer directement sur ça. J'aime bien faire une petite transition comme ça, après on fera la voix de Naruto, la voix de Sasuke. Et puis, on verra où ça nous mène, mais il y a moyen que ça fasse un truc un peu stylé. Bon. Eh bien, sur ce, je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très très vite pour la suite de notre let's play sur Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm, quatrième du nom. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt.